elle chancelle juste un mot. Chancelle. Non, chancelle juste un mot. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après ce match face à la Côte d'Ivoire? On est tranquille, hein. C'est la réalité des foot. On a joué notre carte. Aujourd'hui, Dieu n'a pas donné. Le plus important, on garde la tête haute. On a match samedi. Et vous pensez pour elle remporter face à l'Afrique du Sud? Les meilleurs gagnent. Nous, on va préparer. On attend les changes. Chancel, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à la République du Congo? Parce que vous vous sentez plus apte tactiquement et là vous avez flanché. C'est vrai? Non, moi je crois pas. On a donné un fond. Mais la Côte d'Ivoire était au-dessus tactiquement. Le plus important, on a pris les occasions, on n'a pas fini jusqu'à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Une occasion à la partie, les foot, c'est comme ça. Le parcours n'est pas fini, il reste un match. Une troisième place à aller chercher. Aujourd'hui, voilà, on est tombé sur une bonne équipe de Côte d'Ivoire. Félicitations à eux pour cette qualification. Et nous, de notre côté, on va continuer à se battre pour aller décrocher cette troisième place. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe ce soir? Je ne sais pas, peut-être un peu de fraîcheur, un peu d'expérience, je ne sais pas. Je n'aime pas réagir à chaud comme ça. On va regarder le match et on analysera ensemble. Merci. Troisième place, ça représente quoi pour le Congo quand même de là où vous êtes parti? Bah, ça serait bien de valider le parcours. Voilà, ça fait plus d'un mois qu'on est ici. On a montré de bonnes choses. C'est pas parce qu'on a perdu ce soir qu'il faut tout jeter à la poubelle. J'ai confiance en mes partenaires. On va se battre au prochain match justement pour le remporter. C'est effectivement la Côte d'Ivoire, on a senti qu'elle nous attendait depuis l'hiver. Parce que ce match-là, justement, c'est joué sur ça. Parce que c'est tiré au. Ils ont fait un bon match. Voilà, ils étaient à domicile, poussés par leur public. Ils ont des très bons joueurs aussi, il faut le notifier. Donc on est tombé face à une très belle équipe. Ce soir, il n'y a pas de regret. Voilà, c'est le football, on ne peut pas toujours gagner. Félicitations à eux et nous, on va se focus sur notre dernier match. Bah, je pense qu'il ne nous aura pas manqué grand-chose. On savait que ça allait être l'un des matchs les plus compliqués de la compétition. Les Ivoiriens jouaient à domicile devant leur public. Du coup, le supplément d'âme allait être présent ce soir. Malheureusement, il ne nous a pas manqué grand-chose. On a essayé de se battre jusqu'au bout et malheureusement, ça va passer ce soir. Alors, vous allez tenter de décrocher la troisième place face à l'Afrique du Sud, vous y pensez déjà? Bah ouais, là, pour notre objectif, c'était d'aller en finale. On avait déjà beaucoup travaillé pour arriver là où on en était aujourd'hui. Mais vu qu'on a perdu ce soir, maintenant, l'objectif, ça sera d'aller chercher la troisième place samedi contre l'Afrique du Sud. Justement, tactiquement, aujourd'hui, elle a beaucoup de présence. Hier, bah, on avait mis un plan de jeu en place, on voulait les embêter, après eux aussi étaient présents ce soir, ils ont fait le match qu'il fallait. Mais on a, comme j'ai dit juste avant, on a tout donné. Ça passe pas ce soir, mais on va continuer à se battre. Je pense que les Congolais sont fiers de nous, de ce qu'on a montré sur cette CAN. Et c'était aussi pour ça, rendre fier le peuple. Et je pense qu'on a réussi à le faire, mais il y a une troisième place à aller chercher quand même. Et aussi Lionel.